www.casarima.fr. Casarima.fr. Seigneur, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission Casarima Live, Casarima Studio, votre site internet www.casarima.fr. Moi je suis votre sœur Lise Manzambi. Aujourd'hui j'ai la joie en tout cas de recevoir pour vous deux pays qui se rencontrent, mais pour le même évangile, l'évangile éternel. Ici, c'est représenté par deux pays, le Canada et la France. Alors, je partirai de ma droite à ma gauche. Je vais commencer. À ma droite, tout au bout, j'ai le docteur Roger Bouleli. Bonjour, docteur. Bonjour. J'ai ici le docteur Adélard Ndaye Mwepu. À force d'entendre parler de ce nom, on finit par retenir le nom. Bonjour. Bonjour, bien-aimé-lise. Bonjour. Et ici, à ma gauche, j'ai le docteur Moulinda. Bonjour, maman Lise. Odilon. Bonjour, docteur. Et tout au bout de ma gauche, j'ai le prophète Jared. Bonjour, ma sœur Lise. Voilà, en tout cas, je suis très joyeuse en tout cas d'avoir l'évangile éternel réuni ici. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si on va appeler ça un débat, c'est plutôt un partage biblique autour de la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre sur certains sujets, sur certains thèmes que les bien-aimés que voici ici ont employés par différentes chaînes, que ce soit Casarima ou d'autres chaînes. En tout cas, il y a des choses que nous n'avons pas très bien compris. Il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris, raison pour laquelle nous avons demandé à ce que les bien-aimés docteurs, pasteurs et autres prophètes viennent nous éclairer, nous autres qui n'avons pas compris certains sujets. Alors, on a essayé de répertorier ça. Bien, nous avons ici, je pense, dans les six questions comme ça. Et ensemble, avec eux, on va essayer de connaître la vérité. La vérité. D'où vient l'évangile éternel? Qui a reçu la révélation de ce mouvement de l'évangile éternel? Je ne sais pas si c'est comme ça, hein. En tout cas, moi je suis là que pour poser la question et eux vont nous répondre. Eh bien, j'aimerais quand même que l'on commence par l'invité, celui qui vient de très loin, c'est le docteur Adélard, pour la première question que je vais poser, hein, parce que Bissoto Yambié, nous l'avons reçu, voilà pourquoi on va commencer par lui. J'aimerais savoir, premièrement, d'où vient l'évangile éternel et qui en a reçu la révélation. Merci beaucoup, bien-aimée sœur Lise. Nous nous excusons pour la voix. L'évangile éternel a commencé depuis l'éternité. D'ailleurs, de par son nom, qui s'est dit éternel. Deuxième chose que je voudrais préciser avant de donner la pensée, l'évangile éternel n'est pas non plus un slogan. Je considère que ce n'est pas une marque déposée. Et pour bien saisir la pensée de ce que nous appelons l'évangile, et je dirais même que quelqu'un ait dit l'évangile de Christ, que quelqu'un ait dit l'évangile du royaume éternel, que quelqu'un ait dit l'évangile éternel, nous considérons que c'est la même chose. Mais comme la chose ne se comprend pas dans la sémantique des mots, il faudrait donc dégager la pensée de la chose. Et nous disons, cette chose a commencé quand le Seigneur, ayant quitté l'éternité, il vient entrer dans les temps. Le Seigneur, en fait, dans la création, il matérialise ce qui était dans l'éternité. Ainsi, vous comprenez, je vais aller très vite pour ne pas monopoliser la parole. Le Seigneur, en matérialisant
ce qui était dans la pensée éternelle, il a fait en sorte que toute la création soit une ombre. Toute la création soit une ombre. Ainsi, le sens de l'évangile éternel réside dans la compréhension de ce que le Seigneur a fait comme ombre. Je vais finir par une petite chose, très sœur bien-aimée Lise. De telle sorte que, pour comprendre le véritable sens de l'évangile, il faudrait marcher de l'ombre pour aller toucher la réalité. Et c'est cette réalité que nous allons devoir partager ici ensemble pour essayer de faire comprendre aux uns comme aux autres ce que c'est l'évangile éternel que j'ai dit. C'est l'œuvre de Dieu manifestée depuis la création pour laquelle nous sommes en train de marcher pour en trouver l'essence et l'explication. Vraiment. Merci beaucoup, cher docteur. C'est vrai, précédemment, nous avons suivi, vous avez suivi une prédication du docteur Odilon Moulinda qui prétendait que les pères spirituels, ce n'est pas biblique. N'est-ce pas, docteur? Oui, tout à fait. Je vais revenir encore à vous, docteur Adélard. Qu'en pensez-vous? Est-ce que avoir un père spirituel, c'est biblique? C'est pas biblique? Et démontrez-nous si c'est biblique, pourquoi? Et si ce n'est pas biblique, pourquoi? La question qu'il faudrait saisir ici, la notion du père spirituel est biblique. C'est l'entendement que l'on donne de cette notion du père spirituel qui va véritablement poser un problème. Parce que nous considérons, la Bible dit, le père de tous les esprits. Donc, pour nous, le Père spirituel, c'est le Seigneur Dieu lui-même. La question devient intéressante lorsque, dans l'applicabilité de ces choses, les hommes comme les femmes commencent à identifier un homme dans la chair comme étant un Père spirituel. Et là, nous disons, non, un homme dans la chair ne peut pas être un Père spirituel. Mais Dieu, en tant qu'esprit, est maître de toutes choses et considéré comme étant le Père spirituel. Voilà. Alors, par rapport à la prédication du docteur Odilon Moulinda, qu'avez-vous trouvé de contraignant là-dedans? Concernant sa prédication sur les pères, parce qu'il défendait, vous défendiez votre père Kalo. Et je vais vous donner la parole juste après. Répondez-nous par rapport à ça. Je crois que j'ai suivi le bien-aimé Odilon. Il a même dit que j'ai démontré que les pères spirituels, selon l'entendement des hommes, n'étaient pas bibliques. Il a ajouté un élément que je voudrais préciser tout de suite. Il a dit, on peut parler du père de la foi. Il dit qu'on peut parler d'un homme dans la chair qui peut être père de la foi. Et j'ai dit, c'est ici, c'est pourquoi nous sommes là. Est-ce qu'il peut nous expliquer dans des petits mots qu'est-ce qu'il entend par le père de la foi? S'agit-il encore ici des hommes dans la chair? Quoi que nous savons, parce qu'on va y revenir. Donc, s'agit-il ici, quand on parle du père de la foi, des hommes physiques qu'il identifie, ou il a un autre entendement de ces choses-là? Parce que je considère pour moi que et le père spirituel et le père de la foi, c'est la même chose. Voilà, alors, avant que le docteur Odilon réponde, vous avez quelque chose à dire? Merci, ma sœur. Prophète Géré. Je suis dans la joie. C'est vrai que j'en ai pas l'habitude. Hein. C'est vrai que le plateau, je bénis le Seigneur pour l'occasion. C'est vrai. J'interviens, si vous voulez, vous allez beaucoup me supporter. Hein. J'aimerais quand même qu'on recadre. En fait, pas qu'on recadre, parce qu'il est bien déjà cadré. Mm-hmm. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur, si vous voulez, la façon dont, du moins, j'entends pouvoir intervenir dans ce débat ou dans ce partage. Je ne pense pas vraiment que ce soit un partage, plutôt un débat. Je sais pourquoi je le dis. Mais seulement, je voudrais que vous, les téléspectateurs qui nous suivez, hein, frères et sœurs, j'ai beaucoup de respect pour vous parce que je sais que... Merci, bien-aimé. D'aucuns ont mis d'écouter leurs activités pour nous suivre, hein, quelque part. Et c'est vrai qu'il vous faut honnêtement cette reconnaissance et ce respect, hein, du temps que vous passez à nous écouter.
et dans le souci aussi de pouvoir respecter les uns et les autres, parce que c'est vrai que nous avons mis de côté nos activités pour venir ici. J'aimerais que vous puissiez vraiment, vraiment, vraiment me supporter. Pourquoi ? Parce que lors d'un débat, je crois et je pense que tout celui qui apporte une pensée puisse vraiment nous aider à pouvoir soutenir sa pensée avec les Écritures. Et toute pensée qui va s'éloigner des Écritures, je pense que vous serez nombreux à pouvoir commenter sur casarema.fr. Vous êtes d'ailleurs le bienvenu. J'aimerais quand même que vous puissiez y penser dans vos commentaires. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes ici pour parler de la parole et je voudrais qu'on puisse débattre comme des grandes personnes dans le respect mutuel. Alors, mon intervention ici m'amène à revenir un tout petit peu sur le thème de l'évangile éternel. Mmh. Je ne veux pas, je vais souffrir, si vous voulez, permettez-moi. Je vais souffrir qu'on puisse élider cela pour pouvoir entrer dans le vif de ce que vous appelez le sujet. Parce que je pense quand même que là aussi, il y a des vifs quand même dans ce sujet. Allez-y. Alors, j'ai écouté le docteur Adélard qui nous a parlé, grosso modo, hein, si vous voulez, de l'évangile éternel, partant de l'éternité. Et je vous dis que très honnêtement... ça me paraît très, très, très général. Ça me paraît, même un catholique pourra me dire la même chose. Excusez-moi, docteur Adela. Pourquoi ? Dire que l'évangile éternel, c'est quand le Seigneur a quitté la création, il vient, il matérialise la création. Tout ça, c'est intéressant parce que sinon, j'aurais beaucoup de questions à vous poser. Je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Seulement, ce que je sais est que quand nous voulons parler de l'évangile éternel, il va falloir, parce que c'est d'abord, n'oubliez pas, le sujet qui nous amène aujourd'hui à pouvoir nous retrouver, parce que, d'ailleurs, comme me disait un bien-aimé, qu'aujourd'hui, il y avait évangile éternel contre évangile éternel, je lui ai dit très sérieusement, très sereinement, que je ne croirais pas à une telle chose. C'est-à-dire quoi ? Quand nous voulons parler de l'évangile éternel, il va falloir d'abord qu'on puisse quitter la sémantique du langage des hommes, comme disait le docteur Adélard, et qu'on aille dans le vif, parce que l'évangile éternel, ce n'est pas un slogan, c'est bien. Ce n'est pas une marque déposée, c'est bien. Mais c'est quoi l'évangile éternel ? Comment est-ce que cet évangile a été prêché ? Il faut qu'on puisse... C'est normal, c'est très important. Sinon, que dirons-nous ? À l'époque de Moïse, Moïse est venu avec la loi. Est-ce que la loi était l'évangile éternel ? Je laisse la question, je laisse mon bien-aimé de me répondre prochainement. Alors, après Moïse, Christ est venu, il dit que les prophètes ont prophétisé de Moïse jusqu'à Jean. Lui, quand il entre en scène, qu'est-ce qu'il prêche ? Est-ce l'évangile éternel ? Je vous laisse, je reviendrai là-dessus. Sachant que vous devez savoir que lorsque Dieu annonce depuis la Genèse, pour ne commencer qu'avec la Genèse, par exemple, parce qu'au moins on parle sous le soleil, comme disait le frère, lorsque Dieu annonce, Dieu a un langage. Alors, il y a un langage de Dieu depuis la Genèse. Il y a un langage de Dieu dans l'enchaînement des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, qui, lui, quand il apparaît, il dit... Préparer les chemins, aplanissez les sentiers du Seigneur. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus vient, il dit, le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards, voici, il est au milieu de vous. Quand Jésus quitte la scène, naturellement, vous comprenez ce que je veux dire. Les apôtres viennent. Il nous parle de la saine doctrine. Ne lisons pas les choses parce que nous devons aller voir pourquoi toutes ces choses. Parce que dire que l'évangile éternel vient de l'éternité, oui, Mukungobi me dira la même chose, il me supportera, c'est un papa, hein, excusez-moi pour, peut-être que je l'appellerai papa Mukungobi, hein, si vous voulez. Donc, les branamistes diront la même chose et ça va être la confusion de genre. Et vous me supporterez, je ne peux pas passer à un autre sujet. Tant qu'on ne revient pas
dans ce que nous appelons l'évangile éternel. Parce que c'est ici que nous saurons si quelqu'un a reçu l'évangile éternel de la part de Dieu ou pas. C'est ici. Parce que l'évangile éternel en soi, c'est d'abord l'enseignement qui nous... Supportez-moi. On vous supporte. J'ai dit tout à l'heure à notre organisateur, notre hôte qui nous a reçus, en disant que lorsque nous voulons parler de l'évangile éternel, c'est bien qu'aujourd'hui, nous avons la liste, et comme notre sœur bien-aimée Lise là ici, mais je pense aussi que la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, si nous allons être poussés par le temps, eh bien, écoutez, nous allons faire plaisir aux hommes. Seulement, vous allez me supporter parce que je ne parle pas pour faire plaisir aux hommes. Donc, l'évangile éternel mérite qu'on puisse vraiment s'y installer et décortiquer, savoir d'où vient l'évangile éternel. D'ailleurs, c'est la question. D'où vient l'évangile éternel? Qui a reçu la révélation? Parce que je suis en train de suivre l'enchaînement de vos questions. Qui a reçu la révélation de l'évangile éternel? Est-ce que vous pouvez répondre alors? Parce que vous n'allez pas faire question sur question. Merci beaucoup. C'est moi qui ai posé les questions. Beaucoup. Répondez-y alors. Merci beaucoup, ma sœur Lise. Alors, je me permettrai de répondre si le bien-aimé qui a commencé par le docteur Adela, lui, il a répondu déjà. Adela n'a rien à rajouter. Pour que, quand je vais commencer à répondre, qu'il ne me dise pas que j'avais la même pensée que vous. Ok. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oh, mais bien-aimés, si vous avez la même pensée que moi, que Dieu soit loué, pourquoi je ne dirais pas Amen? Si vous avez la même pensée, frère, en toute humilité, je dirais Amen. Je précise que j'ai donné l'origine de l'évangile éternel. Elle vient de l'éternité, étant une ombre qui exige qu'on puisse l'expliquer et l'interpréter. Je l'ai dit, probablement que vous ne m'avez pas très très bien suivi. Vous avez la parole, bien-aimé. Merci. Allez-y. Beaucoup. Alors, excusez-moi, supportez-moi. Parce que, avant de pouvoir répondre, je dirais ceci. Quand, par exemple, on nous dit que l'évangile éternel vient de l'éternité et que les écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'ombre, et il faut s'acheminer pour aller vers la réalité. Là, on évoque d'autres sujets que je ne voudrais pas peut-être qu'on en parle maintenant parce que sinon on va sortir de notre sujet actuel. Alors, nous devons savoir que l'évangile éternel, oui, c'est bien, nous disons que c'est éternel. C'est-à-dire, ce qui est éternel, c'est ce qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. C'est ça, éternel. D'abord, nous savons que on a appelé Dieu éternel parce qu'on s'est rendu compte que c'était un esprit qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. C'est pourquoi on a dit éternel. Et donc, l'évangile éternel, c'est un évangile qui est éternel. Maintenant, la question est de savoir. C'est bien de dire que cet évangile est éternel. Comment est-ce que cet évangile a été propagé depuis la nuit des temps? Et de nos jours aujourd'hui, qui a reçu la révélation? Parce que les branhamistes nous avaient dit que dans leur enseignement, au moins ils sont honnêtes. Ils ont dit que Branham a reçu. Et là, j'encourage seulement la sainte. Je veux dire, supportez-moi le français, hein, c'est pas moi, ma langue préférée, je veux dire. J'encourage encore la franchise des branhamistes qui disent que c'est Branham qui a reçu et qui leur a apporté cet évangile qu'ils appellent le branhamisme. Mais concernant l'évangile éternel, nous n'allons pas élider les choses, nous n'allons pas sauter les étapes, nous n'allons pas brûler les étapes, mais nous voulons dire ceci, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 21. J'espère qu'on sera bref. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront les résister ou les contredire. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Je vous donnerai, je ne vous donne pas, mais je vous donnerai une bouche
et une sagesse que vos adversaires ne pourront pas résister. C'est une promesse. Ceci est une promesse. Amen. Et maintenant, il faut savoir, cette promesse a été accomplie quand? Ça, je mets de côté. D'autres choses. Nous devons savoir que l'évangile éternel, étant une promesse dans Luc, cette promesse ne commence pas ici. Parce que quand nous lisons le livre de Daniel 12, Dieu promet quelque chose à Daniel. Donc, je vais déjà lire Daniel 12 au verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, ici encore, on dit à Daniel, bien plus tôt que Luc, on dit que ces paroles, les paroles étaient là. On lui a dit de sceller, de les garder cachées, secrètes. Jusqu'au temps de la fin. Pourquoi alors Dieu souligne le temps de la fin? Parce qu'il dit que pendant le temps de la fin, alors plusieurs liront et la connaissance augmentera. Donc l'évangile éternel, c'est l'augmentation de la connaissance promise à Daniel. Amen. Donc, la connaissance était là. Mais elle devait tout simplement augmenter. Mais l'augmentation de cette connaissance avait une mission, celle de blanchir, purifier et épurer tout homme. C'est pourquoi quand nous parlons de l'évangile éternel, nous ne faisons pas l'amalgame. Ceci veut dire quoi? Quand Dieu envoie une parole, c'est la parole de Dieu pour ces moments-là. Cela veut dire que celui qui croit à cette parole est dans la volonté de Dieu. Quand Dieu a envoyé sa parole à Moïse, la loi, celui qui a observé la loi, celui qui était dans la loi était dans la volonté de Dieu. Et on appelait ça parole de Dieu. Quand les prophètes sont venus, ainsi dit l'Éternel, c'est lui qui a reçu, était dans la volonté de Dieu. C'était la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens font la confusion entre la parole de Dieu et l'évangile éternel. À entendre le docteur Adelard, c'est ce que j'ai compris. Qui veut excuser si j'ai mal compris. Alors, aujourd'hui, nous ne parlons votre pas de la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'il n'a pas explicité ça comme vous. C'est pourquoi j'ai bien voulu lui poser la question avant que je ne commence mon intervention. De peur qu'il dise que c'est ce qu'il avait. Excusez-moi, ma sœur. Alors, donc, quand maintenant Jean-Baptiste vient, il dit, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, celui-là m'a devancé, m'a précédé. Lui vous baptisera d'eau, plutôt de feu et de l'esprit. Préparez à planifier les chemins du Seigneur. Car le royaume des cieux est proche. C'était la parole de Dieu. Ceux qui ont cru à cette parole étaient dans la volonté de Dieu. Quand Jésus vient, remarquez comment ça s'enchaîne. Alors, si on dit que tout est parole de Dieu, alors on n'a rien compris. Parce qu'à tout instant, Dieu est en train d'orienter son peuple vers un but. Merci beaucoup. Et donc, quand Jésus vient, Jésus ne répète pas Jean-Baptiste. Jésus vient, il complète Jean-Baptiste. C'est-à-dire quoi? À tout moment, Dieu envoie une connaissance. Mais la connaissance qui vient ne contredit pas la première, mais elle vient compléter la première. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards. Voici, il est au milieu de vous. Donc, maintenant écoutez. Ceux qui avaient écouté ça et qui croyaient en disant que non, c'est bien ce que Jésus dit, mais nous, on va rester avec Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste a dit le royaume des cieux est proche. Ces gens-là étaient en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'en ce moment-là, Dieu parlait du royaume qui était au milieu. Au milieu d'eux. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était la nourriture du moment. Heureux le serviteur fidèle. Ce serviteur, c'est Dieu lui-même. Qui apporte la nourriture au temps convenable.
voyez? Donc, maintenant, quand Jésus finit la mission, comprenez, les apôtres sont restés avec cette doctrine de Jésus qu'ils ont appelée la saine doctrine. Donc, l'ensemble de tous les enseignements de Jésus font ce que nous appelons la saine doctrine que Paul a prêchée et qui aujourd'hui pose encore des grands problèmes parmi les hommes. Mais sachez que ceux qui ont vécu du temps des apôtres, qui ont vécu, qui ont cru à cet enseignement, ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais c'était la saine doctrine. C'est pourquoi Paul, que Dieu soit béni, je le bénis aussi. Amen. Il a dit que nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Cela veut dire que Paul reconnaissait qu'après la portion qui leur manquait, parce qu'il y a une portion qui a manqué à Paul. Amen. C'est pourquoi, quand vous lisez Paul, il dit le temps lui a manqué de parler de Jephté. Ce n'est pas le temps, c'est la portion qui lui a manqué. Nous allons revenir. Ça peut aussi être un sujet de débat. Donc, le temps qui a manqué à Paul, la portion qui lui a manqué, a fait que Paul et les autres ont compris que nous, il a dit nous, c'est-à-dire Pierre, Paul, Jacques, tous ces mondes-là connaissaient en partie. Et ils prophétisaient en partie. C'est pourquoi vous allez voir que Paul a prophétisé sur les derniers jours. De Timothée chapitre 3, qu'on nous a fait chanter dans le groupe de prière. De Timothée chapitre 3. Donc, Paul a prophétisé en disant que sachez que dans les derniers jours, c'est-à-dire que Paul a montré qu'il n'était pas dans les derniers jours, mais dans les derniers jours, il y aura, c'est-à-dire dans le futur, des temps difficiles. Alors, or, ces derniers jours nous interpellent parce que ces derniers jours correspondent à la promesse faite à Daniel. Amen. Sur l'augmentation de la connaissance. Et c'est pourquoi au tout dernier, on appelle ça tout simplement l'évangile éternel. C'était déjà éternel, mais c'était la loi, au temps de la loi. C'était une connaissance limitée. Quand Christ vient, il dit, écoutez, je vais vous aider. Tout ce qui a dit la loi, ça s'est résumé en un seul commandement, tu aimeras. Et les gens ont compris que la connaissance a augmenté. Est-ce que vous voyez? Donc, la connaissance va en augmentant. C'est bien. Mais alors, comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons eu accès à cette connaissance qui augmente? Parce que c'est ça le problème. Et c'est là le nœud du problème. Dans les choses de Dieu, j'ai appris une chose. C'est que l'humilité précède la gloire. J'ai béni le Seigneur parce qu'il y a un bien-aimé qui avait dit, mais qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et il faut que l'homme soit honnête. Et je crois que c'est comme ça aussi que Dieu aide, même dans le ministère bien-aimé. C'est un conseil pour ceux qui nous écoutent. C'est comme ça que Dieu aide les hommes. C'est-à-dire qu'il faut être reconnaissant. Il faut reconnaître la personne auprès de qui Dieu t'a orienté pour aller prendre la chose. Parce que ça, quand ça descend du ciel, c'est bien. C'est pourquoi nous allons revenir là. Parce que nous avons aussi vu quelqu'un qui a réussi comme ça. C'était Paul. À son Amen. Temps, Amen. Il a rencontré le Seigneur, cet homme que Dieu le bénisse. Bien-aimé Paul, je t'ai béni. Amen. Donc, il a rencontré le Seigneur. C'était bien. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit non. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Malgré que j'ai vu le Seigneur, j'ai parlé. Comme il disait un bien-aimé, il y en a un qui a dit aujourd'hui que lui, il vit le royaume. C'est bien. Mais l'homme a dit que non. Il faut que j'aille vers ceux qui ont reçu avant moi pour que j'aille vérifier la chose que j'ai ici. C'est pour vous dire, bien-aimé, qu'aujourd'hui, si vous voyez un homme de Dieu, un ministre de Dieu, qui vous dit que lui, il a tel ou tel évangile, même si ce n'est pas l'évangile éternel, et que finalement, vous vérifiez, parce que quand vous voyez un homme de Dieu, vous devez avoir le courage de vérifier où est-ce qu'il a ramassé la chose. Amen. Merci, bien-aimé. Cela veut dire que ça ne descend pas de par hasard, non. S'il a rencontré le Seigneur l'orientera vers ceux qui ont réussi avant lui pour qu'il aille vérifier. C'est pourquoi quand vous voyez un ministre autodidacte aujourd'hui, il est suspect.
ça n'existe pas dans les choses de Dieu. Nous allons revenir quand Dieu nous fera grâce. C'est un sujet à débat. Mais donc, là, je pense que le temps est déjà parti. Je suis désolé, vous ne trouvez pas avoir donné la définition totale de l'évangile éternel. Je finis pour dire que... Après, vous n'allez plus parler alors. Je vais arrêter sur l'évangile éternel. Ok, d'accord. Merci. Donc, c'est pourquoi justement mon souci, c'était que quand on commence un sujet, qu'on le finisse au moins avant de commencer à... Mais nous sommes à la télé, on est limité par le temps. Désolé, Marcel. Donc, je disais ceci, c'est que l'évangile éternel, c'est cette promesse que Christ avait promis que je vous donnerai une bouche. Cette bouche, c'est l'évangile éternel auquel aucun adversaire ne peut résister. Et c'est ça d'ailleurs l'accomplissement de Daniel 12. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez un homme blanchi, épuré et purifié, s'il n'a pas l'évangile éternel, c'est un pharisien. Ne cherchez pas la révélation, ne cherchez pas les songes et les visions. C'est comme ça que Christ a attaqué les pharisiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est seul l'évangile éternel qui a reçu la mission d'épurer, de purifier et de blanchir tout homme. Ça, c'est d'une. Maintenant, qui a reçu l'évangile éternel aujourd'hui? Laissez-moi vous dire. Vous qui m'écoutez, suivez très bien, s'il vous plaît. Cet évangile, moi, je l'ai reçu d'un homme appelé Kalo Kabunda, docteur. Et pourquoi je vais citer? Parce que nous avons dit que nous sommes venus parler de l'homme et nous parlerons des hommes qui sont dans l'homme. Je l'ai reçu de l'homme de Dieu, Kalo Kabunda, qui lui l'avait reçu. Nous reviendrons pour les questions. Cet homme, Dieu lui a donné la chose et moi j'ai reçu par son canal. Et je n'ai pas honte de témoigner parce que j'ai une écriture. La Bible dit, témoigne. Je voudrais qu'on lise ça bien aimé. Docteur, aidez-nous s'il vous plaît. Mais pour revenir un petit peu à ce que vous dites, M. Kalo, il l'a reçu de qui? De Dieu? Que Dieu vous bénisse bien aimé ma soeur. Donc c'est pourquoi j'ai lu cette écriture, je clôture par. Mais si lui l'a reçu de Dieu, ne pensez-vous pas que quelqu'un d'autre peut le recevoir directement de Dieu aussi? J'arrive. On y reviendra. 1 Timothée chapitre 1 au verset 8. N'aie donc point honte de témoigner, de témoignages à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse bien. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ça fait mal au ça fait mal dans le cœur des autres. Mais je témoignerai l'homme qu'on appelle le docteur Kalo Kabunda. Je témoigne d'abord Jésus-Christ. Et ensuite, pour obéir à cette écriture, je vais témoigner aussi son prisonnier. Hier, c'était Paul. Aujourd'hui, c'est Kalo Kabunda, Albert, homme de Dieu. Ça, c'est une chose. Alors, maintenant, le docteur Kalo l'a réussi comment? C'est la question de ma sœur Lise. C'est pour dire que cet homme de Dieu a reçu de la part de Dieu. Maintenant, quand on reçoit l'évangile éternel, un conseil, quand on reçoit la révélation de la part du Seigneur, il faut vérifier qui a reçu avant vous. S'il y a quelqu'un qui a reçu avant vous, la Bible vous dit d'aller le voir. C'est ça que Paul nous a montré les modèles. Quand il a reçu après Pierre, cet homme s'est levé, il est parti vers Pierre. Quand vous voyez quelqu'un qui reçoit, comme vous avez dit, quelqu'un d'autre peut recevoir aussi après le docteur Kalo. Ce n'est pas un problème, ma sœur. C'est une bonne chose, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Mais cet homme-là, s'il a reçu de la part de Dieu, Dieu lui dira d'aller voir ceux qui ont reçu avant lui. C'est pourquoi que Dieu bénisse Élie. Parce qu'Élie, il a compris ces jours-là. Il a dit, Seigneur, je suis resté seul. Christ lui a dit que non, il n'était pas seul. Que Dieu vous bénisse bien. Merci, merci beaucoup. Alors, on va venir par ici. Il y a le docteur Roger. Je vais vous donner 10 minutes. Juste une seconde. Allez-y. Acte des Apôtres, chapitre 1er. Pour les bien-aimés, j'irai de... Les derniers jours commencent dans Luc. Hein? C'est ce qu'il vous a dit. Hein? Acte des Apôtres, chapitre 1er. Expliquez-vous bien. Vous dites... Le docteur Gérard, pour expliquer quand est-ce que l'évangile éternel a commencé, il a lu le livre de Luc. Que c'est à ce moment-là que la bouche, Dieu fait la promesse dans les derniers jours. Voyez-vous? Vous aurez une... Ok, vous êtes là. Okay. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Une parole. J'ai dit que ça ne commence pas dans Luc. Parce que les prophètes avaient parlé, notamment j'ai saisi Daniel. Mais c'était pour dire quoi? Excusez-moi. Non, juste deux minutes. Non, ne me prêtez pas ce que je n'ai pas dit. Okay, excusez-moi. Ouais, très bien. Si vous voulez reformuler, vous m'aidez. Hein, je suis là à côté. Hein, on peut toujours en parler. Je disais ceci. C'est que les derniers jours n'ont pas commencé du temps de Luc. Parce que
Quand nous saisissons les derniers jours, vous devez faire attention. Parce que... Je n'ai même pas parlé, mon frère. D'accord, vous avez dit que ça a commencé dans Luc, je n'ai pas dit ça. Ok, dis-nous ça. Alors, j'ai dit ceci, que Paul a prophétisé en fonction des derniers jours. Et les derniers jours, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Ok, merci. Mais attendez un instant, quand je vais lever quelque chose qu'il a dit que je n'ai pas dit. Il a dit que l'évangile éternel a commencé. Je n'ai jamais dit que l'évangile éternel a commencé. Parce que l'évangile éternel, j'ai dit, c'est l'éternité. C'est-à-dire, sans commencement des jours ni fin de vie. Ok. Dieu vous bénisse bien les mêmes. Ça va. Vous à vous. Luc. Non, acte des apôtres, pardon. Oui, excusez. Chapitre 1er. Oui. Non, acte des apôtres, chapitre 2. Oui. Verset 17. Nous disons. Bien-aimés, vous qui nous suivez, et que vous aurez l'occasion de nous suivre à Kinshasa. Deux secondes, je donnerai la parole à Dr Roger qui va continuer. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Pierre prend la parole. Il dit, « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Je précise, c'était du temps de Pierre. C'est là où nous sommes en train de dire la parole de Dieu, ce n'est pas seulement répéter l'écriture. Il faut voir la pensée de l'écriture. Parce que nous allons expliquer que les derniers jours se comprend par le coucher du soleil. Déjà du temps des apôtres, nous sommes en train de préciser que c'était les derniers jours. On va y revenir par rapport à la connaissance parce que je voulais intervenir. C'est le verset que je vous ai donné juste à titre informationnel, parce qu'on va y revenir. D'accord, mais juste avant qu'ils prennent la parole, j'aimerais savoir, soulever un petit peu ce que le prophète Jared a dit tout à l'heure, que l'évangile éternel vient de quelqu'un. Hein, Dieu a inspiré au docteur Kahlo. Alors vous aussi, vous prêchez l'évangile éternel, c'est Dieu qui vous l'a inspiré ou bien... Non. Non, commençons par deux choses, parce que là, on fait un mélange. Personne ne peut prêcher l'évangile s'il ne l'a pas écouté de quelqu'un. D'accord. C'est clair et net. Vous l'avez écouté. Donc, l'évangile que je suis en train de prêcher, je l'ai écouté parce que c'est ce que les gens veulent écouter aujourd'hui. On va le dire. La parole que nous prêchons, nous avons été prêchés par Bruno Kabunda, Carlo Kabunda, Egide Bofanga, Betu Kumesu et Kassi. Ça, c'est moi. À moins qu'on me dise le contraire. Non, je m'excuse. Frère, j'ai la parole. On peut lui laisser parler. J'ai la parole. Vous l'avez écouté de quand même. Personne ne vous a contesté. Donc, ne contestez pas mon témoignage. Parce que c'est moi qui dis. C'est là où nous faisons la différence dans la notion du Père. C'est ça le débat du problème. Parce que on tourne en rond. Le débat réside là. Je précise encore. J'ai évolué dans une assemblée où il y avait 5 prédicateurs, chacun avec sa grâce. Je précise bien, chacun avec sa grâce. Mais il y en avait 5. Moi, je ne suis donc pas le fruit d'un homme. On reviendra avec ça dans les détails. Mais il se fait que dans ces différentes grâces qui se sont manifestées dans l'assemblée où j'ai évolué, c'est comme ça que le Seigneur m'a formé. Pouvons-nous conclure que l'un d'eux et mon père. C'est là où nous allons nous asseoir dans les Écritures pour pouvoir en parler. Donc, les bien-aimés ne s'inquiètent pas. Nous n'avons jamais renié que tel et tel et tel nous ont prêché l'Évangile. Mais est-ce que vous reconnaissez que M. Kahlo, c'est lui le visionnaire? C'est là où nous disons que on va y revenir parce que pour nous, ce n'est pas ça la vision de l'Évangile éternel. Et je mets en défi que Kahlo vienne dire que c'est lui le visionnaire. C'est ça tout le problème. Parce que j'ai eu l'occasion, je le précise, parce qu'on est déjà suivant. J'ai causé avec lui en 2010, il le sait. Je lui ai posé la même question. Il m'a répondu. Oh non, vous savez. Bon, on ne rentre pas dans ça, ce n'est pas important. Donc, j'ai dit tout simplement, voici la liste de mes prédicateurs. J'ai également eu la chance de prêcher par l'apôtre René, qui m'a également prêché. Donc, je ne nie pas tous ces gens-là. Mais dès là, considérer qu'un homme dans la chair devient mon père, là, nous allons rentrer dans les Écritures pour pouvoir en parler. Voilà un peu mon point de vue. Voilà, alors, juste une dernière question. Vous reconnaissez que vous prêchez aussi l'Évangile éternel. Je vais y revenir sur deux choses. Voici l'Évangile éternel. Parce que le docteur va parler concernant la dîme. Hein. Donc, pour le moment, je m'adresse à vous. Vous savez, quand nous parlons comme ça, Évangile éternel, ça donne l'impression d'une marque déposée.
Je vais y aller tout droit. L'évangile que nous appelons éternel, c'est l'explication et l'interprétation de l'écriture. On va y revenir. C'est comme ça que j'ai dit ici quand j'ai commencé. Les bien-aimés n'ont pas compris. Probablement. Je m'excuse si j'ai trop mal parlé. C'est pourquoi quand j'ai commencé ici, j'ai dit ceci. Le Seigneur, quand il sort de l'éternité, il crée. Nous sommes en train de dire que la création de Dieu, c'était une parabole. Dieu avait scellé toute la création, était scellée. Il a caché ces choses. Je donne deux ombres pour me faire comprendre. Le roi Pharaon, il dort, il fait un songe. Il dit, je voudrais qu'on me dise mon songe et que l'on me l'explique, ces songes-là. C'est ça l'évangile éternel. C'est les songes de Pharaon. Dieu met en scène une situation, il cache les clés. Maintenant, l'évangile éternel va consister à expliquer ce que Dieu a caché. Et ici, je dis et je le précise encore, aucun homme sur la terre ne peut nous dire, même moi qui vous parle, que moi, j'ai l'explication de l'évangile. J'ai dit non. Ésaïe chapitre 29 va nous aider. Nous comprenons que celui qui a scellé et qui est capable, Dieu le dit, si je ferme, qui va ouvrir? Dieu scelle, toi un homme, tu dis tu vas ouvrir. Non. Nous comprenons que si tu as la capacité d'expliquer l'écriture, c'est Dieu qui t'a donné la capacité de l'expliquer. Ainsi, Dieu voudrait que tout homme s'efface, que la gloire lui revienne, parce que c'est lui qui explique l'écriture. Donc, je ne peux pas. Ça, c'est mon point de vue. Les bien-aimés qui entendent des choses qui ne sont des fois pas vraies, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que le péché que nous avons commis, c'est le péché de ne pas parler de nous. Mais quand nous nous retrouvons en privé, je te parlerai de Kalo, un bien-aimé. Depuis que j'avais 9 ans, il est plus âgé que moi d'une année. Je te parlerai de lui, je te dirai toutes les prédications, je te parlerai de ses bienfaits. Mais quand nous prenons la chair pour prêcher l'évangile, on lira l'écriture. Je vous en prie, bien-aimé, j'arrête. Quand vous parlez, nous étions très calmes. Désolé, bien-aimé. Vous comprenez ça? Donc, la maîtrise, c'est aussi un fruit de l'esprit. Amen. Donc, remarquez. Vous comprenez? Ce n'est pas là une raison pour dire que nous sommes contre un frère bien-aimé. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. Je l'ai dit en public. Nous pouvons ne pas être d'accord sur un certain nombre de points. Et je l'ai dit et je le répète, il y a des choses avec Kalo où je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit. J'ai dit, bien aimé, pourquoi aujourd'hui, quand je ne suis pas d'accord avec Odilon sur un point, ça doit devenir une guerre? Non! Donc, les enfants de Dieu peuvent ne pas se mettre d'accord. Et puis, ce qui est étonnant, parce que j'ai toujours dit ceci, frère, il y a des gens qui ont embrassé cet évangile certainement en cours de chemin. Donc, nous reconnaissons que nous avons eu des prédicateurs. Vous savez, aujourd'hui, les bien-aimés qui sont à Kinshasa, ils sont tentés de nous haïr pour rien. Absolument pour rien, parce qu'on veut nous faire croire qu'on insulte tout le monde, on est contre tout le monde. Non, il y a des enseignements sur lesquels nous ne sommes pas d'accord avec certains, entre lesquels la notion du Père. Quand nous allons nous mettre à interpréter le Père, vous verrez l'évangile éternel. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un slogan. Il faut maintenant que nous nous mettions, qu'on nous explique comment Kalo est devenu père. Il est père de quoi? De qui? De quel enseignement? De quelle sémence? Si le bien-aimé a une sémence, nous allons maintenant comprendre que la sémence n'est pas de Dieu, c'est sa sémence. Okay. Je vais finir par une chose, bien-aimé Lise, parce que le bien-aimé, j'ai là aussi un peu parlé beaucoup. Non, je donnerai la parole au docteur Odilo. Okay. Je vais dire deux petits mots pour que les bien-aimés puissent nous saisir. Vous savez, frère, dans la cour du roi. Parce que j'ai toujours dit que tu ne peux pas expliquer ce jeu. Je vais préciser une pensée ici avant de bien faire cette chose. Nous disons, il y a l'ombre du côté de l'Orient, il y a l'ombre du côté de l'Occident. Tout cela, c'est par rapport à la position du soleil qui frappe le corps. Quand le corps frappe le corps du côté de l'Orient, il dégage l'ombre du côté de l'Occident. Quand il va se coucher, il va frapper le corps, il va dégager l'ombre du côté de l'Orient. Et l'Occident et l'Orient, tous deux, sont l'ombre du corps. Cette chose, elle est importante. On parle de quel corps? Je vous en prie. J'ai dit, elle est importante pour comprendre l'écriture. Allez remarquer. Le roi en Israël était l'ombre du Christ.
Et le roi avait la possibilité d'épouser plusieurs femmes. Personne ne pouvait le contester. Maintenant, remarquez. Quand le roi épouse plusieurs femmes, ça vous le savez, le roi étant l'ombre de Christ, les femmes du roi, c'est l'ombre de tous ceux qui croient en Seigneur. Voilà pourquoi ils sont plusieurs. Donc, il ne faut pas dire que le roi est polygame. Le roi, pour qu'il t'établisse ministre dans sa maison pour surveiller sa femme, il faut que tu sois un eunuque. Si tu n'es pas eunuque, tu ne peux pas protéger la femme du roi. Je change de langage pour me faire comprendre très bien. Tu ne peux pas protéger l'épouse du Seigneur si tu n'es pas un eunuque. Quelle était la condition sine qua non pour être eunuque dans la cour du roi? On devait te castrer, t'enlever la capacité d'ensémencer. Comme ça, le roi, il sait que même si tu gardes ses femmes, tu ne vas pas donner ta sémence à sa femme. Le roi peut voyager pendant 10 ans, il rentre. Dès qu'il voit un enfant dans la cour, il sait que tous ces gens sont castrés. L'enfant que tu vois là, il ne peut qu'être mon enfant. Cette chose est prophétique. C'est pour expliquer que les véritables ministres de Dieu sont des eunuques. Ils n'ont pas la sémence qui leur appartient. Donc ainsi, quand nous voyons la manifestation des enfants dans l'église, quoi que le Seigneur utilisant les bien-aimés chrétiens, les bien-aimés Odilon ou qui que ce soit, dans la pensée, nous comprenons qu'en fait, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui crée toute capacité qui fait que les gens croient à l'évangile. Alors si dans ces cas-là, aujourd'hui, nous commençons à adorer des hommes, voyez-vous, c'est là où se trouve le problème, ma sœur Lise. Vous avez la parole. En tout cas, docteur Odilon. Oui, bon, j'aimerais dire qu'il ne faut pas nous faire dire ce que nous, on n'a pas dit. Vous pouvez tenir le micro, vous avez les deux mains. Nous n'avions pas dit que nous adorons le docteur Kalo Kabunda. Mais nous avions dit, avec l'écriture que nous avions lue dans 1 Timothée, que nous reconnaissons qu'il est le Père qui nous a engendrés. C'est ça ce que j'avais aussi posé dans mon enseignement, en disant que la Bible dit que on appelle personne père sur la terre. Et quand maintenant Paul vient dire à Timothée, à Tite, mais mon enfant, ça paraissait contradictoire. Comment Paul dit à Timothée ou à Tite de les appeler mon enfant, c'est-à-dire il se met à la place du père, alors que l'écriture de Matthieu nous dit que n'appelez personne père sur la terre. C'est pourquoi nous avions été expliqués qu'il y a le Père spirituel et puis il y a le Père qui engendre. Nous avions été voir dans l'ombre Jacob, à qui Rachel demandait un enfant, et lui, il lui avait dit que c'est Dieu qui donne les enfants. Ainsi, nous avions expliqué que Dieu était le Père spirituel. Voilà pourquoi l'Écriture interdit qu'on appelle un homme sur la terre, Père. Et nous avions dit que cela est diabolique d'appeler aussi ton pasteur Père. Père spirituel. Alors nous sommes revenus pour expliquer maintenant pourquoi alors Paul dit à Timothée, à Tite, qu'ils sont ses enfants. C'est là où nous avions compris que c'est parce qu'il les avait engendrés dans le Seigneur. Donc, nous ne sommes pas là pour adorer le docteur Kalo, mais nous reconnaissons que c'est par lui que cette grâce nous a été donnée. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a appris ces choses. Voilà pourquoi nous l'appelons Père. Voilà l'éclaircissement que je voulais apporter. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la réflexion? Oui, je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport aux éminents hommes de Dieu qui ont intervenu avant moi. En fait, quand nous disons ou nous condamnons cette pensée du Père et que le bien-aimé prenne le verset ou l'exemple de Paul et Timothée, en tout cas, moi, ce qui m'étonne, c'est de comprendre ici que Paul, quand il dit « Timothée, c'est mon fils », il le prenne par rapport à la foi ou par rapport à la formation. Parce que Paul lui-même va reconnaître que Timothée avait déjà ou connaissait déjà quelque chose de la part du Seigneur. En tout cas, ce n'était pas Paul. Mais quand Paul soutient la position du Père, c'est par rapport à une manière de conduire Timothée à bien comprendre les choses de Dieu.
Alors, nous disons ici, comme le bien-aimé l'a dit, que nous ne nions pas. On ne peut pas nier les hommes qui nous ont aidés à comprendre ces choses. Nous ne nions pas. Le problème ici, c'est que nous avons compris qu'on ne peut pas le faire, c'est quoi? C'est de brandir les noms d'un homme partout où on passe. Quand on dit reconnaître, je ne sais pas qu'est-ce que le bien-aimé veulent nous faire comprendre par reconnaître. Est-ce qu'il faut commencer à brandir comme, en tout cas, excusez-moi, le bien-aimé des branhamistes, est-ce qu'il faut commencer à les brandir comme font les branhamistes, comme font les églises kimbanguistes? Moi, je trouve que non. Parce que l'évangile que nous avons reçu, comme le bien-aimé Jérémie l'a dit, c'est un évangile qui est éternel. Qui est éternel et que chacun de nous, par la grâce que Dieu a mis en lui, peut aussi communiquer cette grâce à d'autres personnes. Est-ce qu'en cela, prendre le nom de cette personne et les brandir partout, voici mon père, ceci est mon père, celui-là est mon père. Moi, je trouve que c'est un peu absurde. Deuxièmement, je voulais quand même répondre au bien-aimé Jared quand il parle que de reconnaître celui qui a fait de vous cette femme épurée, blanchie, tout ce qu'il a dit. Moi, je crois que... Oui. L'Église, ok, vous allez ajouter. On peut le laisser finir. Voilà. Moi, je crois que si l'évangile éternel blanchit, c'est parce que l'évangile est pur. Si l'évangile est pur, cet évangile va amener la personne dans le blanchissement. Mais cependant, celui qui apporte l'évangile doit être aussi blanchi. Cette personne qui a l'évangile de Dieu doit être aussi une personne qui est pure. Donc, quand la personne apporte l'évangile et que la personne n'est pas pure, je me demande, cet évangile vient d'où? Parce que nous croyons que l'évangile vient de Dieu, un Dieu saint, irrépréhensible. L'évangile doit passer par un canal qui est propre et pur. Que les bien-aimés nous disent un peu sur ces blanchissements de cette église au temps de la fin, comme ils ont mentionné, alors qu'en réalité, il y a encore des choses à dire là-dessus. Voilà un peu mon opinion par rapport à ça. Allons tous ensemble, répétons ces paroles, tout le temps sur la terre. Allons, allons, glorifions l'éternel. Allons, nouvel album, Avoir l'amour de Dieu, frère Domingo Sand. Un album déjà disponible sur Casarema et sur les points de vente habituels. L'homme dans un profond sommeil. Endeku, Ozolala, Lamuka, Peyoka, Avoir l'amour. Où es-tu aujourd'hui? Papa Domingo Sanda, Amémé Libisson et Comélie Asika. Sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a tout payé. Toi qui doutes encore, souviens-toi de lui. Sur la croix de Golgotha, son sang coulé. Comme il est là, les latins des coups. Yuka album, Avoir l'amour de Dieu. Un album de consolation, un album qui vous apporte du baume au cœur. Avoir l'amour de Dieu, c'est votre album, avec le frère Domingo Sanda.